est ici dans le Centre National du Football dans le cadre du 7e tour de la Coupe de France. Donc on a les meilleures installations pour se préparer pour jouer contre Annecy ce week-end. Que ce soit moi ou mes joueurs, je crois que c'est le rêve de tous les gamins amateurs de se trouver à Clairefontaine, de pouvoir bénéficier des installations. Déjà, c'est l'équipe de France quand même. Et ici, comme on dit dans notre jargon métropolitain, c'est la maison du football. Donc, je crois que c'est le top qu'on peut rêver toujours. Comme vous savez, nous, on est situé dans les Dômes. Donc, là-bas, on a un championnat de Régional 1. On a joué contre des équipes de différentes divisions pour arriver jusqu'au 6e tour qui représente la finale à Mayotte. Donc une fois qu'on a gagné cette finale régionale, entre guillemets, on est aujourd'hui ici à Clairefontaine. L'axe vital là, ici va nous manquer. Mais on compléter les gars. Le fait de représenter Mayotte, c'est quand même quelque chose. Donc nous, on va, en tant qu'amateurs, hein, on va venir déjà pour savourer le moment, le parcours que nous avons fait du début jusqu'à maintenant et représenter Mayotte comme il se doit. Aujourd'hui, on ne parle pas de l'équipe de Combani, mais on parle de Mayotte. Je l'ai dit très clairement, de l'instant qu'on s'entraîne là, mes jeunes ne réalisent pas, mais ils vont le voir. Quand tu vois ce public, les Maoris qui sont là, que des gens que tu n'as jamais vu ou tu as vu depuis longtemps et qui sont là pour vous encourager, et la grinta monte, donc il y aura une pression. Et là, pour l'instant, on en profite des installations, du vie de groupe. Et voilà, on en profite. On va s'arracher, les gars. On n'est pas au même niveau. On n'a pas les mêmes entraînements tous les jours. C'est leur métier. Ils s'entraînent du matin, du lundi au vendredi. Nous, ce n'est pas notre métier, les gars. On doit prendre plaisir quand on doit aller là-bas. Le groupe se porte bien, donc tout le monde est concerné par cette rencontre. Quand même, il y a la motivation qui arrive tout seul, qui vient tout seul par rapport au niveau aussi de l'adversaire. Donc on a envie de montrer que on peut peut-être essayer de faire quelque chose, même si c'est des professionnels. En tout cas, on n'est pas venu en vacances ici. Tout le monde rêve, mais après, entre temps, il y a aussi une logique. Et nous, on va essayer de respecter la logique comme il se doit. Donc c'est une Ligue 2 et nous, nous sommes une R1. Donc on va essayer de jouer les coups que nous aurons. Si on arrive à créer un exploit, ben écoutez. Dans le football à 11, c'est que toujours chacun peut avoir une chance. Donc nous, franchement, on se donne 1% de chance. Mais on croit en nous, on pense qu'on pourrait faire quelque chose et on va aller à fond. On va aller à fond. Sans problème. Allez, c'est bon.